souvent des hommes. Hein. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Amel, Gabi, Elodie, Mbolo oui, Mbolo mes amis, et ma petite Grâce. Aujourd'hui, je sens comme une vieille. Je me sens comme une vieille aujourd'hui là, avec la perruque bizarre là. Voilà pourquoi j'aime pas mettre des perruques lisses là. Ça ne va pas bien avec ma grosse tête là. Ma grosse tête là ne va pas bien avec les perruques lisses. Je suis habituée avec mes perruques pour folle. Toutes les perruques lisses que j'ai là, je vais finir par vendre ça en occasion. Qui veut prendre celle-là? Je vais vendre tout ça là parce que les lisses ne vont pas bien. Bembe makuma yo nananga manyanga nambika bembe o nananga manyanga nambika bembe ye. Merci. Bembe makuma ye nananga manyanga nambika bembe ye nananga manyanga nambika bembe ye ye nananga manyanga nambika. Le bois sacré bembe makuma yo nananga manyanga nambika bembe. Ayo, nananga manyanga nambika, bembe, ye, ye, nananga manyanga nambika, bembe makuma yo, nananga manyanga nambika, bembe, ye, bembe, ye, ye, anino nambika, bembe, oh, nananga manyanga nambiko, bembe makuma yo, nananga manyanga nambika, bembe. Il faut que j'arrête de se moquer des gens comme ça, ici dans la vieillesse. Moi-même, quand je serai vieille de chez vieille, je serai toujours la reine qui m'embêtait les gens. Regardez le visage de quelqu'un. Je vous dis vrai de vrai. J'ai dormi aujourd'hui à 6h du matin. 6h du matin. Je n'ai pas dormi même. Après, ça allait déposer, il va à l'école. Je suis venue, j'ai 3 heures de sommeil. Tous les jours, c'est comme ça. Je dors maximum 3 à 4 heures par jour de sommeil. Le reste, je ne dors pas. Pour ça, je ressemble déjà à un zombie. Surtout que Dieu m'a marqué plus tôt là. Bien! je viens parler de deux sujets. Donc je veux d'abord commencer par le sujet d'amusement qui est Alianga. Avant d'attaquer le sujet sérieux qui est Miyang, il s'appelle comment? Miyambundu, qui est venu parler là, hein? Anissé. Avant de venir parler d'Anissé. Elodie, merci beaucoup. Bien. Je ne sais pas. J'aime toujours poser la question, non? Est-ce que vous avez écouté l'audio où l'avocat de Bruce Lacruche parle, où ils saisissent, c'est-à-dire Bruce Lacruche et son avocat saisissent la France pour, pour régler le problème de Bruce Lacruche qui est emprisonné au Gabon illégalement après, d'après eux. Donc, Bruce Lacruche appelle son pays d'origine maintenant que je suis enfermé, je suis arrêté illégalement, donc il appelle à la France pour que la France puisse étudier son dossier et que la plainte, que la France soit jugée en France, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas le but de son interpellation à la France.
Ici, vous les Gabonais, lorsque je parle souvent ici, vous me dites souvent que je parle mal. Oh, je fais toujours l'amalgame. Oh, ne mélange pas, tu parles mal aux étrangers. Oh, moi-même, je suis étrangère dans un pays où même j'ai même la nationalité des pays. Lorsque je parle, je le dis bien à chaque fois ici que je ne parle pas des étrangers. Je parle de un groupe de personnes. Donc, dans ce groupe de personnes-là, si tu es étranger, mon ami, je vais te parler en désordre parce que tu mérites. En fait, mon moment présent me permet de te parler ainsi et je n'ai pas envie de trier. Voilà. Donc, vous vous rappelez bien, c'était la période où Tonton Jackson, ou bien la, non, c'était la période de Lee, hein, c'était la période de Lee lorsqu'on a nommé Lee ministre de quelque chose, des forêts, de tout ce qui est au Gabon là-bas qui l'appartient. J'avais fait un direct comme ça que dans un état, dans notre état comme le Gabon, on ne peut pas nommer dans les postes stratégiques, même si dans les postes stratégiques, autant pour moi, les personnes ayant la double nationalité, ça veut dire tout simplement quoi? Que ces personnes-là, surtout au Gabon, avec la France, nos relations avec la France, c'est que ces personnes-là peuvent être d'un côté les espions pour le Gabon, ça dit qu'ils espionnent la France pour le Gabon et vice-versa. Donc ça peut être aussi un danger, j'avais dit ça ici. On m'a dit que je pense mal, je pense bête ou quoi. Et ensuite, j'avais ajouté que là, peut occuper n'importe quel poste, c'est un Gabonais. Il peut être directeur, c'est un Gabonais. Mais lorsque vous commencez à donner quelqu'un qui a la double nationalité, des responsabilités qui encombrent le pays, un bon jour, lorsque le pays ira mal, cette personne-là va oublier qu'il est Gabonais. Il va brandir son passeport étranger pour sortir du pays. Voilà. Vous m'avez attaqué ici, là. Un jour, hein, vous allez me louer comme ça. Là. Un jour, vous allez m'acclamer dans le net-ci. Dans le net-ci, là, vous allez m'acclamer parce que moi, je ne joue pas avec les mots. Je ne fais pas semblant. Je parle comme... Si aujourd'hui, j'ai la diarrhée, que j'ai envie de chier, je vais chier ma diarrhée, même si ça sent mauvais, je vais chier. Un jour, vous allez se mettre là. Ah! Essayons d'aller regarder le live de Claire l'année dernière. Merde, elle avait dit ça, elle avait raison. Un jour, ici, dans le net, là, vous allez m'acclamer ici. Parce que lorsque je parle, non, vous me dites que je parle mal, je suis bête, je ne comprends pas la politique, ce n'est pas comme ça, ne mélange pas tous les étrangers. Patatata, patatata, vous là, c'est pour vous. Voilà. On n'est pas encore allé loin, ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an lorsque j'ai fait un direct de ça ici. Voici. Aliang la Bruce Lacruche a été condamné suite aux faits, ou aux faits, c'est comme ça, non, aux faits qui se sont déroulés au Gabon. Dans une république démocratique du Gabon, indépendante du Gabon, même si on est surveillé par la France, on va essayer de parler juridiquement parlant. Donc, comment est-ce que un citoyen, moi ici là, je suis condamné, j'ai commis une injustice ici, c'est-à-dire, imaginons ici, j'ai fait une amende, on m'a fait une amende ici en France, comment est-ce que je peux dire que je m'avais saisi au Gabon pour une infraction que j'ai commise en France? Quand c'est le Gabon qui doit me juger. Parce que je suis gabonaise. À l'instant où je vais commettre cette infraction, à cet instant-là, je vais renier ma nationalité. Ou bien bon, pas renier. Je vais dire que les autorités françaises n'ont pas compétence de me juger parce que j'ai la double nationalité gabonaise. Donc à ce moment-là, je vais appeler à l'autorité gabonaise que je porte plainte contre la France parce qu'ils me poursuivent pour avoir commis une infraction à l'État français. Voici les choses que vous connaissez mieux, les choses que plus que nous-mêmes comme ça là. Qu'est-ce qui est coupé? Mon ami, Boroboro Moussa, qu'est-ce qui est coupé? Il n'y a pas de souci, ça c'est coupé là. Faites-moi signe s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut dire que c'est coupé. Bien. Donc, voici quelqu'un qui est poursuivi pour un cas. Eva, je ne vais pas te voir dans le direct. Voici quelqu'un qui est poursuivi pour un cas, qui a été mis en garde à vue ou garde en prison ou garde quelque chose pour un cas. C'est-à-dire les cas où les faits se sont déroulés au pays, au Gabon, dans un territoire bien précis, gabonais. Il n'est pas le seul. D'autres personnes ont été arrêtées. Dites-moi, Bla étant gabonais, ça veut dire qu'il joue de la nationalité gabonaise. Il a été arrêté en tant que gabonais et non en tant que français. Il a été arrêté en tant que gabonais sur le territoire gabonais. Sur les faits et les... Seigneur Jésus, je n'ai pas fait le droit long métrage. Bref, sur les accusations qui lui sont reprochées ou les choses qui lui sont reprochées, c'est son problème là-bas.
C'est pour ça qu'on l'a arrêté. On n'a pas arrêté que Monsieur Blanc, on vous arrête parce que vous êtes un citoyen français vivant au Gabon, donc vous allez aller en prison. C'est pour ça, lui aujourd'hui va demander à la France que bon, on m'arrête parce que je suis français vivant au Gabon, donc venez me sauver. On l'a arrêté parce que tout simplement c'est un Gabonais. Il a la double nationalité. Donc comme il a la double nationalité, c'est la nationalité gabonaise qui provoque au Gabon. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est français qu'on va dire que comme tu es français là, on ne va pas te juger, hein, Monsieur Blanc. On ne va pas te mettre en prison au même titre que les Gabonais. On ne va pas te maltraiter au même titre que les Gabonais parce que tu es français ou parce que tu as la double nationalité. Arrêtons de faire semblant ici sur Internet. Tu as été condamné, bon, pas condamné, tu as été arrêté. Voilà monsieur qui envoie avec son avocat, j'ai eu l'audio là hier et encore aujourd'hui, mais comme hier, j'étais dans mes kongulu, quand je dis kongulu, c'est d'aller, moi je suis dans mes délires, dans mes occupations et je n'ai pas le temps de venir faire live tout le temps. Donc monsieur Bla saisit son avocat et son avocat porte plainte à Nourdine en France. Vous voyez comment, quand on vous dit cela, que le pays là, ce n'est pas pour nous. Donc, quelqu'un, un citoyen gabonais, qu'on arrête au Gabon pour les faits gabonais, il va saisir une autre autorité pour condamner une autre autorité. Hé, hey, ça se passe qu'au Gabon. Mon illettré a vraiment de sens. Mon illettré a vraiment de sens. Ici encore, là, lorsqu'on a nommé Blanc, moi, Claire Newman, je vous ai dit ici qu'on continue à nommer les doubles nationaux, là où nationalité. Dans les postes stratégiques du pays, un jour, lorsque le pays va péter ou que le pays sera dans l'instabilité, ces mêmes personnes-là ne vont pas reconnaître qu'ils sont gabonais. Voilà. Oh. Bla saisit la Cour pénale et la justice française. Il porte plainte à la justice française. À la justice, il porte plainte au gouvernement gabonais pour l'avoir arrêté illégalement dans les conditions. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je réécoute, je vais vous faire écouter l'audio. Dans les conditions inhumaines. Hé! Hey! Attends, tu te prends pour qui? Toi, tu es dans les conditions inhumaines et tu demandes à ton pays, la France, de pouvoir se saisir de ton problème. Alors, Bertrand Zibi, lui, fait comment? Bertrand Zibi, qui croupit depuis 4 ans, lui, n'est pas humain. Lui, c'est un chien par rapport à toi. Oui, l'André Amiens, l'autre, le pauvre enfant, il est venu aux États-Unis, il était bien, bien, bien. Aujourd'hui, là, il ressemble même déjà à un mort vivant. Lui, il est quoi par rapport à toi? Et ils ont vécu par rapport à quoi que toi? Tu, non, racontez-moi. Il dit carrément que le délai de prévention, comment dire, de mise en garde, le délai de mise en garde est dépassé. Le délai de mise en garde est dépassé. L'André a mis plus de 1 an de mise en garde sans qu'on le juge, sans passer devant le tribunal, sans même qu'on... Non, mais franchement, mon ami, tu es un Gabonais, tu vas subir le Gabon entier. Tu vas subir le Gabon dans toute son injustice. C'est-à-dire que l'injustice que les Gabonaises vivent et les Gabonais vivent, toi, Bla, tu as dit que tu es Gabonais, je ne suis plus du Nord, ou bien de là où on t'a donné les clés de quelle ville là. Tu es Gabonais, tu vas subir. Il est hors de question qu'à chaque fois, quand vous avez la double nationalité, c'est à cause de ça que vous dites que les Gabonais sont... comment vous nous appelez dehors ici, là? Anyambien. Tribalistes. Que les Gabonais sont homophobes. Hein? Xénophobe, c'est la nationalité. Homophobe, c'est les pédophiles. Bref, l'un ou l'autre, là. C'est à cause de ça que vous traitez que nous, les Gabonais, on est bizarre. Parce que le peuple gabonais, lorsque le peuple gabonais essaie de penser Gabon d'abord, le Gabon au Gabonais d'abord. Vous que, oh, on ne peut pas parler comme ça dans ce monde ayant l'ouverture d'esprit. Il n'y a pas un peuple plus accueillant que le peuple gabonais. Donc, cher frère, pour aujourd'hui, je vais t'appeler mon frère. Parce que dans tous les cas, tu es gabonais, tu es mon frère. Tu es français, tu es mon frère. Donc, dans tous les cas, toi et moi, ton pied, mon pied, on est parenté. Dans tous les sens, toi et moi, on est parenté. Oui, blablabla, blablabla, bla, bla, on est parenté. On est parenté. Donc, cher frère, comme tu as la double nationalité et que tu vis au Gabon, et que tu vis au Gabon et que c'est l'État gabonais qui te condamne parce que tu as, on va répéter, tu as volé, à toi ou à raison, tu as volé. Tu as volé les milliards, tu as détourné les milliards gabonais et non les milliards français. Donc, explique-moi, cher petit frère, one-one, toi et moi là. Explique-moi comment est-ce que tu voudrais qu'un pays, ton second pays, qui n'a rien à foutre des problèmes du Gabon, qui n'a rien à faire avec les problèmes du Gabon, comment est-ce que tu voudrais que ces pays-là viennent régler ton problème, ton souci, alors que tu es Gabonais? On te condamne en tant que Gabonais. Viens me répondre.
C'est maintenant que tu ne reconnais plus que tu es Gabonais. C'est pas toi qui s'est pavané dans les rues du Gabon en train de crier partout. Je suis Gabonais, j'ai grandi au Gabon. Maintenant, tu veux faire... Tu veux utiliser maintenant ta nationalité française. Xénophobe, oui. Tu veux maintenant utiliser ta nationalité française parce que tu es en prison. Comme les Gabonais qui sont en prison, eux n'ont pas la double nationalité. Eux n'ont pas un second pays à appeler au secours. Comme les Gabonais qui sont en prison, eux ne sont pas ministres, ils n'ont jamais été ministres de placement, ils n'ont jamais été chef de cabinet d'un président. Eux ne savent pas qui ils vont appeler au secours. Oui, Bertrand Zibi, il a la double nationalité et pourtant il est en prison avec le peuple. Son pays d'adoption, Bertrand Zibi, son pays d'adoption, aujourd'hui je ne sais pas s'ils font même cas qu'il y a un Américain en prison. C'est toi, parce que tu es français. J'ai entendu ton avocat dire Kama. Oui, il a pris l'exemple d'une avocate camerounaise qui a la double nationalité au Cameroun. Et puis comme ça, on l'avait attrapée au Cameroun. Et puis comme ça, la dame, l'avocat, a saisi la France. Attends, ça dépend, hein. Toi, tu as dit que tu es Gabonais. Et tu as volé au Gabon. Et donc, c'est le Gabon qui te condamne. Ce n'est pas la France. Mes amis, voilà d'abord la première chose que je voulais parler ici. Bien que le cas de Bla vient confirmer que malgré que je vous parle ici en désordre, je vous dis souvent les vérités. On n'est pas encore allé loin ici. On n'est pas encore allé loin parce que vous, le Gabon, là, quand c'est pour négliger le Gabonais, vous négligez le Gabonais. Quand je dis le Gabonais, quand c'est pour négliger les autochtones, vous nous prenez pour des va-nu-pieds, pour des tonneaux vides, pour des gens qui n'ont rien à faire de leur pays. Alors qu'au Gabon, il y a aussi des multiples talents. Alors qu'au Gabon, il y a des multiples il y a des multiples Gabonais qui sont aussi intelligents, qui peuvent occuper aussi les postes à haute responsabilité. Non! Vous avez pris lui qui est ni, si c'est un coup il est anglais, un coup il est américain, je ne sais même pas là où l'homme là il est exactement. S'il est anglais, il est américain. Vous avez pris lui qui ne connaît pas l'Iwat, qui ne connaît pas les origines de la forêt gabonaise, qui ne connaissent pas les problèmes de Mami Wata, qui ne connaît pas autant pour moi, qui ne connaît pas les génies de la forêt, qui ne connaît rien du tout. Vous l'avez donné tout ce qui connaît, tout ce qui concerne la forêt gabonaise. Vous avez donné ça à un Bamba, à un Wati, à un Mundele, à un Tani, à quelqu'un qui est même incapable de savoir. Quand un esprit te parle en forêt, il est incapable de savoir que ça c'est la paix des esprits. Il est incapable. Mais vous l'avez donné au domaine spirituel du Gabon, c'est-à-dire la forêt, les eaux, tout ça, les animaux, les poissons, les crocodiles, les cocos. Vous avez donné ça à un White, quelqu'un qui s'appelle Lee White. Prends. Il n'y a même pas que tu vas être second adjoint ou machin. Non. Un jour, lorsqu'il y aura encore un problème, sachant que ce même Liwat là vous a déjà escroqué dans le même Gabon là. Il n'a rien subi. Lorsque lui aussi, un bon jour, il va être victime de vol, quelque chose aussi, lui aussi va voler. C'est pas lui qui sera victime. Lorsqu'il va victimiser les Gabonais, ça veut dire que lorsque lui aussi va se mettre à voler le Gabon et qu'on va le condamner, lui va appeler la reine Elisabeth. Comme ça, lui aussi va appeler la reine Elisabeth SOS. Mène, je suis en danger dans un pays de nègres. Je suis en danger dans un pays, dans une république bananière. Là, on m'a arrêté, je suis arrêté illégalement dans des conditions inhumaines. Arrestation, prolongation de garde à vue. Blablabla. C'est comme ça vous faites ici. C'est comme ça vous faites. Et on n'a pas le droit de vous dire les choses. On n'a pas le droit de vous dire que... Ah, le réseau là. Faut pas m'énerver, hein. S'il vous plaît, c'est le réseau. Oh là 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 là, merde. Vous voyez les choses? Quand moi je me lance comme ça, il y a toujours quelqu'un qui veut me provoquer. Voilà le premier cas. Je ne sais pas si vous avez entendu cette note. Vous avez entendu cette note là. Ou bien vous ne l'avez pas entendu. Comme moi aussi, j'aime partager. Je ne suis pas avare. Je suis maman gentille, non? Comme j'aime partager là, je vais vous partager... La conversation de l'interview de la chose de son avocat qui demande de saisir la France parce que leur rejeton est perdu dans une forêt de république bananière où les gens mettent les gens en prison sans respecter les conditions humaines. Mais alors que les Gabonais vivent dans les mêmes conditions et les mêmes autorités mondiales et nationales sont là. Bertrand Zibi arrêté depuis 4 ans. Personne n'a bougé. Hein? Bertrand Zibi est américain. Il est américain. Donc c'est toi,
C'est toi la Lianga. Tu as volé les millions. Bertrand Zibilé est innocent. Ça fait 4 ans qu'il est en prison. Toi, tu es coupable. C'est toi qui veux appeler la France pour venir parler ton histoire parce que tu te sens illégalement arrêté. Bah, le con! Tu vas te sentir même bien illégalement enfermé. Je n'ai rien contre toi, mais il faut arrêter ça. Tu peux me dire sur quelle base on a arrêté Bertrand Zibilé ou bien l'André Amiens qui vient de faire 4 ans juste pour ses prises de position. Toi, tu vois l'argent et puis c'est toi qui vas saisir la France que je suis illégalement arrêté. Ma garde à vue a été prolongée. Il faut se prolonger. Tu vas avoir prolongation jusqu'à... Prolongation 4 ans de la même manière que l'André Amiens est prolongé pendant 4 ans. Prolongation 4 ans comme Bertrand Zibilé. N'importe quoi. Vous pensez que c'est vous êtes Gabonais seulement pour venir prendre les richesses du Gabon. Vous êtes Gabonais pour profiter. Le pays qui vous donne tout, vous êtes Gabonais quand c'est pour manger, vous baladez avec l'argent du Gabon dans vos pays. Vous investissez dans vos pays, rien au Gabon. Pas d'investissement au Gabon. Et lorsqu'il y a des problèmes, c'est là maintenant que tu reconnais que la France. Comme tu partages l'argent du Gabon entre la France et le Gabon, entre toi et le Gabon, ce n'est pas notre problème. Et Adianga, pardon mon ami, je n'ai pas un problème avec toi, mais il ne faut pas m'énerver. Je vais d'abord vous faire écouter. Je vais d'abord vous faire écouter n'importe quoi. Les gens blanquent ici dehors. Hein. A été déposé en France par les avocats de Brice Lacruche Alianga, l'ancien directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo. La plainte est déposée contre X pour détention arbitraire, violence volontaire et menace de mort. Elle concerne également le frère de Brice Lacruche, Grégory Lacruche, tous les deux qui possèdent également la nationalité française. Elle dure à peu près 2 minutes 17, donc je ne vais pas vous retenir 2 minutes 17. Je fais encore le résumé. Détention arbitraire. Hey, il n'y a que toi, le français, qui a créé le dictionnaire. Il dit, il porte plainte contre X. Après, l'avocat va se justifier que la plainte contre X est comme ça, mais il a nommé le gouvernement gabonais et Nourdine. Donc, lui, comme il est français, il porte plainte contre X, c'est-à-dire il va porter plainte en France parce que, étant gabonais, on l'a arrêté sur le territoire gabonais. Donc, il se plaint que son arrestation est illégale, détention illégale, abus, qu'est-ce qu'il dit encore, maltraitance, violence, soumission, je ne sais pas quoi, tout ce qu'il subit, la coupe, il raconte ça dedans avec son avocat. Donc, son avocat dit qu'il porte plainte à Nourdine et à la République gabonaise parce qu'ils ont arrêté un Français. Oh, Seigneur Jésus, je suis bête. Donc, me, étant française, où je suis là? Voilà, moi, comme ça, comme moi, je roule mal, mauvais, là. Je commets une infraction. J'ai mal garé. Ou bien, je ne sais pas. J'ai garé parking de vieille. Voilà, comme ça, bon. De toute façon, c'est ces infractions que je peux faire ici qu'on peut me donner l'amende. Hein, parce que je ne vole pas. Je ne sais pas à qui je vais aller voler. Si je connaissais les plans pour voler aussi la République française, je pense que j'aurais récupéré tout l'argent qu'on vole au Gabon, au moins pour ramener ça au Gabon. Hein. Donc. Vous imaginez que je commets ce genre d'infraction, que je commets, puisque je le fais tout le temps. J'ai même encore une amende de 300 euros à payer. Voilà comme ça aussi, moi là, je dis, je ne paye pas 300 euros là-bas. On me met en prison, je refuse de payer 300 euros et puis on me met en prison. Donc on me met en prison, voilà moi, dans mon manquement, aujourd'hui là, je vais dire que non, je ne suis plus française. Je vais appeler le Gabon, SOS Gabon. SOS Gabon, je saisis le Gabon, je porte plainte contre Macron. Je porte plainte contre Macron parce que il y a le vampire dehors. Je porte plainte contre Macron parce qu'il me garde, il m'a arrêté illégalement. Oui, pour des faits qui ne sont pas avérés et pour je ne sais pas quoi. Donc je demande à mon pays d'origine gabonais de poursuivre la France, de avoir mis Claire Newman en prison illégalement. Donc c'est ça que votre blablabla est en train de faire là. Il poursuit le Gabon encore, là, il peut leur poursuivre, c'est pas mon problème. Mais mon ami, il faut arrêter de blaguer avec les gens ici. Il faut arrêter. Tu es Gabonais, tu subis. Il n'y a pas à dire que parce que tu es français, maintenant tu vas utiliser ta nationalité française pour demander à la France de régler ton problème. Attends, c'est les milliards de Français qu'on a volés. C'est l'argent de l'État français qu'on a volé. C'est pas l'argent de l'État gabonais qu'on te soupçonne d'avoir volé, que ce soit vrai ou faux. Nous, on était là-bas. C'est pas les milliards de Gabonais, le contribuable gabonais que vous avez détourné. Tu peux dire que tu as vraiment les mains propres
les mains blanches dans cette histoire. Tu peux dire que tu n'as jamais touché 100 francs de l'État gabonais. Toi, Nourdine, vous tous, vous méritez de mourir autant que vous êtes. Il n'y a pas un pour arrêter l'autre dans votre groupe. Parce que lorsque tu bouffais l'argent, tu étais gabonais. Lorsque vous mettez des plans en place pour détourner, pour détruire le Gabon, tu étais gabonais. Mon ami, il faut subir le Gabon. Il faut subir le Gabon. Il n'y a pas à fuir aujourd'hui maintenant. Tu vas fuir quoi? Tu vas fuir ton pays. Tu vas fuir la justice de ton pays pour aller où, mon ami? Tu vas fuir la justice de ton pays pour aller où? Tu es gabonais. Donc ça veut dire que ton, les milliards là, tu as envoyé ça en France. Le problème des milliards. Donc les milliards gabonais, tu as envoyé ça en France. Tu as envoyé ces milliards là en France. C'est ça le problème avec vous ici. Continuez. Et continuons. Le pays là, c'est ça. Mes chers compatriotes, prenez garde. Oui, prenons garde, on va dire ça comme ça. Lorsque les gens parlent, on dénonce un fait. Vous dites ici là qu'on mélange tout le monde. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Je n'arrêterai pas de le dire ici. Qu'on me prouve le contraire. Le Gabon, tu viens chien, tu retournes ministre. Voilà l'exemple. Les Béninois et les Béninois Acrobatie, hein, ou bien l'autre là, Souleyman, vendeur Mbolo, et lui, il devient ministre, le grand quelqu'un aujourd'hui dans son pays. Voici. Donc, ce n'est pas une guerre contre les étrangers, c'est une guerre contre une classe d'étrangers qui nous fout les boules. C'est une guerre contre une classe d'étrangers qui ne sait pas être à sa place, qui vient dépouiller le Gabonais autochtone. Oui! Parce que nous tous, nous sommes des étrangers dans les pays. On paie les impôts tranquillement. On vit tranquille. On s'intègre dans les pays là tranquille. Maintenant, si tu as envie de faire la politique, tu fais tranquille. Tu ne vas pas voler le pays. Je ne vois pas quel Gabonais ici là allait se présenter ministre et allait détourner les milliards sans qu'il ne soit condamné. Et puis quand on va le condamner, il va dire que non, j'appelle le Gabon. Et ça, où est ce Gabon? J'ai volé les milliards, mais venez me sauver. Ça veut dire que le Gabon était complice de ton vol, hein? Voilà. Voilà le premier cas que je voulais parler ici, là. C'était M. Alianga. Donc, cher petit frère, parce que j'ai cru comprendre que tu as 37 ans. Donc, je suis ta vieille mère, là. Je suis ta grande sœur. Oui, l'avantage avec moi, c'est que je suis petit modèle. Nous, les petits modèles, là, on est bien comme ça, là. On ne nous voit pas vieilles. Cher petit frère Alianga, je suis dans le regret... formellement dans le regret de t'annoncer que tu es Gabonais. Je suis dans le regret de t'annoncer que, étant Gabonais, tu vas subir les défaillances judiciaires de ton pays. Oui, cher petit frère Alianga, tu as été dans ce gouvernement. Le peuple gabonais souffre depuis 50 ans. Quand tu es rentré dans ce gouvernement, tu n'as pas fait cas au peuple gabonais. Tu n'as pas été l'exception qui confirme la raison. C'est comme ça on dit non. Tu aurais pu être dedans et faire la différence que toi, tu n'es pas comme eux. Mais tu es venu faire comme eux. Tu as été arrogant. Tu as été arrogant. Tu es allé jusqu'à insulter les gens. Tu es allé jusqu'à narguer. Mon ami, il ne faut pas venir faire semblant maintenant ici que tu vas appeler que tu es maintenant français. Non, tu es sur le territoire français. Et pour ton information... La France, malgré qu'elle a les intérêts au Gabon, la France, malgré qu'elle vous dirige, elle dirige qui doit être président là. La France n'est pas le président du Gabon. Macron ne sera jamais président du Gabon. Ils sont présidents des richesses gabonaises. Ils sont même les petits manjangondjongo des gens qui vous arrêtent là. Les petits procureurs ou les petits machins qui vous arrêtent, ils ont l'orgueil des Gabonais mal foutus. Ils vont venir, ils vont vous répondre avec impolitesse comme j'ai confiance à mon parent Bilibiz. Il va encore sortir avec son impolitesse et lui dire que la France se mêle de ses affaires. Là, pour son impolitesse, là, c'est là où je suis contente d'être sa soeur. Parce que nous, là-bas, nous, on pète comme on pète. Donc, pour te dire ici, là, vrai de vrai, vrai. Mon ami, l'appel SOS que tu fais en France, là, ça tombe dans l'eau. Ça tombe dans l'eau parce que, tout simplement, toi, comme nous, les Gabonais, savons que tu es Gabonais, oh, tu vas assumer. Tu as été arrêté pour des faits commis au Gabon. Tu es poursuivi pour avoir volé les milliards de ton pays. Et non parce que tu as fait attentat à la France. Donc ça ne sert à rien d'aller faire attentat et SOS à la France pour venir te sauver dans un pays, dans ton pays. Voici la chose que moi, ta petite soeur, ta grande soeur, tata dérangée, Claire Newman, bouche percée, je voulais te dire ici. Voilà. Soyons
nous-mêmes. Donc, entre nous-mêmes, on se règle les problèmes avec la justice de bord au bord qu'on a. La justice de bord au bord qu'on a, c'est ce que ça nous présente. Tu penses que Bertrand Zibi, il n'a pas une femme? Tu penses qu'il n'a pas une famille, il n'a pas des enfants? Cet homme qu'on a accusé à tort, comme quoi qu'on a trouvé des armes chez lui. Toi, on a vu comment on a ramassé l'argent dans le trou de ta maison. On a vu comment on a creusé le trou de ta maison. On a ramassé l'argent dans le trou de ta maison. Tout le monde a vu ici. Toi, on a vu. Et c'est toi qui veux nier que non, comme tu es français, il faut que la France vienne te juger. Mais vous êtes allé prendre, vous avez pris les armes, allé déposer dans la maison de Bertrand Zibi. On ne sait pas par comment, du jour au lendemain, oh Bertrand Zibi est devenu terroriste, on l'a vu avec les armes. Voici notre parent qui fait 4 ans en prison, on l'a arrêté. Prime, prolongation. Toi, même pas un an, tu commences à dire qu'on t'a gardé illégalement. Bon, il en a aussi, il en a. Que tu es qui, que ton nom t'a gardé vu illégal, n'a pas le droit d'être illégal dans le pays illégal. Tu es dans un pays illégal, et toi-même tu vis dans l'illégalité, donc tu es illégal. Tu veux te plaindre où? On est illégal dans un pays, donc on est illégal. Tu vas encore te plaindre chez qui? Monsieur Alianga, tu veux te plaindre auprès de qui? Tu n'as pas dit que tu es Gabonais. Tu ignores que le Gabonais, c'est un pays illégal. C'est un pays de fraude. Puisque toi-même, tu as fraudé. Non, mais regardez-moi les gens. Vous jouez au Lucky Luke. Vous jouez au Lucky Luke, je ne sais pas, au Rambo ou au Cowboy. Dans votre gouvernement, et puis on t'arrête. Tu ne veux plus jouer au Cowboy et tu appelles les SOS la France. Que la France est qui au Gabon? La France est qui au Gabon à part nous voler? La France a quel statut au Gabon à part voler les Gabonais et prier les Gabonais? Tu vas appeler qui? C'est la France qui régit la justice gabonaise. C'est la France qui régit les lois gabonaises. On te condamne au Gabon, toi tu vas porter plainte en France. Tu es fou? La folie, c'est le karma. Mon ami, il faut assumer le karma d'être Gabonais. Yeah, nous, on est fiers d'être Gabonais. Oh. Oh, oh, oh. Toi, tu prends la nationalité et tu n'es pas fier, hein? Donc, tu dis que tu es Gabonais et tu n'es pas fier d'être Gabonais. Il faut être fier maintenant d'être Gabonais dans tous les sens. Dans tous les sens, il faut être fier. Mon ami, quand on est Gabonais, on porte la joie d'être Gabonais, c'est-à-dire en bien ou en mal. Tu souffres. Où tu nous vois là, on souffre. On souffre trop, mais on est fier. On souffre, mais on est fier. Donc, il faut faire pareil. Bienvenue dans le club des fiers de pauvreté. C'est ça la même. Bienvenue dans le club des fiers de la misère. Si tu n'es pas fier d'être Gabonais, c'est pas la peine de dire que tu es Gabonais. Tu nous rends notre papier et puis tu retournes porter ton nom de briche ou la lianga ou la chose en France. Il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis là, je suis en France, je suis française. Fier ou pas fier, il n'y a pas de problème, mais je suis ici. Voilà. Wow. One, première chose. Donc, j'ai terminé avec mon petit frère Alianga qui se plaint. Son avocat, je me suis arrêté là où son avocat dit qu'ils vont porter plainte à Nourdine. Ça, c'est pas mon problème. Portez-le plainte, tuez-le même si vous voulez. Plainte, c'est petit. Débarquez-vous, les Français, vous êtes capables de tout. Donc, si Alianga peut... Oh, même le réseau là, vraiment, c'est pas possible. J'en ai marre, excusez-moi. J'en ai marre. En fait, comme je fais ça avec le téléphone de la France, et du coup, ça me bouffe le crédit. Ça me bouffe le réseau. Donc, Bruce Lacruche Alianga porte plainte pour détention et arbitraire et mise en danger ou en dangerment. Les décisions juridiques au terme desquelles ils se sont retrouvés en détention sont parfaitement arbitraires et illégales. Il y a eu des prolongations de garde à vue au-delà des maximums légaux. Vous n'avez pas d'accès au dossier, pas de discussion avant l'incarcération, etc. Du fait qu'ils sont de nationalité française, ils ont la possibilité de déposer en France une plainte pour la détention arbitraire qu'ils subissent en ce moment au Gabon. Je vous donne un exemple. Il y a 4-5 ans, une avocate franco-camerounaise, cette fois-ci, était incarcérée. Ah, le téléphone là. Attendez, on va écouter un peu les choses qui donnent les mots de tête, non? Du fait qu'ils sont français, ils ont la possibilité d'utiliser, d'utiliser leur nationalité française.
du fait qu'ils sont français. Donc, quand vous arrêtez les étrangers dans votre pays-là, vous ne savez pas que les étrangers, là aussi, ils ont une double nationalité, qui peuvent aussi saisir leur nationalité d'origine. Mais vous nous condamnez ici, oh, vous nous mettez en prison ici, oh, vous nous maltraitez ici. Oh. Mais comme nous, on est des Africains, on ne mérite pas de saisir nos nationalités d'origine. C'est Brice Lachute, le Lianga, ou bien c'est les Français étant à l'étranger qui ont la possibilité, parce que la France est devenue la première puissance mondiale où les Français qui sont dans les pays, les gens, ils doivent faire de n'importe quoi et ils ne doivent pas être condamnés parce qu'ils vont saisir leur super puissance Rambo, la France, le pays qui fait peur à tout le pays qui peut détruire le monde entier en une fraction de minute. Donc c'est comme ça, tous les Français qui sont dans le monde entier là, ils peuvent tuer les gens, ils peuvent violer les gens, ils peuvent voler l'État, ils peuvent détourner des milliards. Ils ne craignent rien parce qu'un bon jour comme ça, ils vont seulement appeler leur superman, la France, pour venir leur délivrer n'importe quoi. Par des décisions accélérées par des décisions de juge d'instruction au Cameroun, il y a eu une plainte pour détention arbitraire acceptée au tribunal de Paris. Contre qui portez-vous plainte? Formellement, c'est une plainte contre X, mais nous désignons clairement les personnels judiciaires qui sont intervenus dans l'ensemble du processus. Parmi les personnes qui ont concouru à cette détention arbitraire, nous citons M. Nourdine Bongo, qui semble avoir joué un rôle prépondérant dans l'instigation de toute cette opération. Et l'instigateur est considéré en droit français comme l'auteur ou le co-auteur de... On dirait que c'est la fin du monde. Vous allez m'excuser encore. Excusez-moi de parler ainsi. Il dit, l'instigateur est considéré en droit français. En droit français comme coupable. Je ne sais pas, mais pardon, expliquez-moi. Suis-je autant idiote à ce point? Suis-je autant coupé du monde réel à ce point? Là, il parle en droit français. Brice Lacruche Alianga, étant gabonais, a été arrêté par le droit gabonais. Explique-moi pourquoi la France veut forcément que son droit soit appliqué dans le monde entier. Pourquoi est-ce que la France veut que son droit soit appliqué dans les pays des autres? Ici, il s'agit d'un ressortissant gabonais qui a, à tort ou à raison, volé l'argent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Il est coupable. Vous dites qu'il est innocent. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, pourquoi est-ce que la loi française veut utiliser le droit français dit que... Est-ce que ici on a en face de nous un problème entre un ressortissant français contre son État français? Ici, nous avons devant nous un ressortissant gabonais qui jouit de la nationalité gabonaise. Parce que lui, apparemment, je n'étais pas. Il a grandi au Gabon. Il est marié à une Gabonaise. D'après ce que je sais, je n'ai pas de preuves. Je ne confirme rien. J'affirme seulement en haut en haut. Donc, ça veut dire que cet individu est de nationalité gabonaise. Et les fautes ou les plaintes ou les réclamations ou les choses pour lesquelles on l'a arrêté, c'est tout simplement parce qu'il a trop joué avec le feu. Il a décidé de rentrer au gouvernement. Comme toutes les personnes qui partent au gouvernement et qui volent, certains d'entre eux sont en prison, d'autres s'enfuient, d'autres jouissent de non-touche présidentielle. Donc, Alianga a échoué dans son jeu de crocodile avec son ami. Donc, tout simplement, on l'arrête. Un Gabonais s'arrête. Pourquoi la France voudrait être saisie dans une histoire qui... Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de savoir que je suis la seule illettrée du Gabon qui ne comprendrait jamais le monde de la politique ni de la justice. Parce que, comme explique, je suis perdue. Tous les Africains qui sont arrêtés en France ici là, ils sont renvoyés où? Hein? Attends. Kémi Séba, il a la double nationalité. Je vais seulement prendre l'exemple là. Kémi Séba, il a la double nationalité. Et pourtant dans chaque pays africain là-bas, on le trimballe à gauche, à droite, arrêté à gauche, arrêté à droite, arrêté à gauche, arrêté à droite. Oh, condamné, interdiction de mettre pied. La France est où? La France n'a pas dit que non, c'est notre citoyen. Kémi Séba, c'est un citoyen français, nous allons le protéger. Là, la France n'a pas parlé parce que tout simplement, Kémi Séba est l'ennemi de la France. Il faut être ami de la France parce que tout simplement, de 1, il a l'handicap d'avoir la peau noire. Et de 2, c'est un ennemi de la France.
Là, même si Kevin Seba a la double nationalité, la France ne pourra en aucun cas, jamais, au grand jamais de leur misérable vie politique, intervenir en faveur de Kevin Seba. Si ça arrive, je viens de dire pardon. Mais jamais. Ils ne le feront jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Pareil avec toutes les personnes. Même les États-Unis sont incapables de faire avec l'André Amiens. Un grand pays comme les États-Unis, première puissance mondiale. Si l'André Amiens aurait été américain, blanc, ou bien si Bertrand Zibi aurait été américain, blanc, et qu'il était au Gabon avec la double nationalité, il allait aussi brandir son passeport américain comme ce petit voyou de Alianga en train de faire là. Il demande à la France que je suis français, je suis détenu illégalement au Gabon, je menace de mort et enlèvement et patati patata et patata patata patata. Il est en train de raconter tout. Donc j'ai saisi la France de se saisir de cette histoire. Comme ça, vous volez un pays et notre pays vient te juger. C'est pas toi, c'est Ali Bongo et son gros corps de ses parents qui t'ont amené au gouvernement. Fallait continuer dans tes où tu étais tranquille là-bas. Voici le premier cas que je voulais parler ici. Donc, monsieur Alianga, ne vous fatiguez pas à appeler la France SOS. La France n'a aucun droit dans notre pays, à part nous voler, comme vous savez le faire. La France n'a aucune autorité dans notre pays. Même si nous sommes le pays le plus maboule, même si nous n'avons pas de loi, chaque pays est régi par ses lois bidons. Nous avons nos lois bidons, nous avons nos lois qui... Voilà, nous avons notre injustice, c'est comme ça, c'est le Gabon. Et tu es cette injustice-là, tu fais partie de cette injustice-là. C'est pas la peine de fuir une injustice donc tu as contribué. Tu restes dedans, tu subis et tu avales. Si tu dois faire la prison comme Bertrand Zibi, tu vas faire la prison. Mon ami, tu vas pas t'échapper. Tu as volé, on a ramassé l'argent dans ta maison. Il faut subir. Mi bébé le Nava. Mia bobo na zeva. Be Gabonais be de binzo. Y'a quand le double nationalité. Be Gabonais be sebe de mimbour. Babona. Be Gabonais be sebe de amene du. Be de mimbour. Be babesa be double nationalité. Be eke lenza. Be be lenza. Balak. Balak, Balena Balak, le jeune Balak, Baba refuse sa liberté sur condition, sa liberté sous condition, Baba refuse sa liberté. Comme il n'a pas la double nationalité, lui va appeler qui? C'est un Gabonais, oh! Monsieur Alianga, on l'a arrêté sans preuve, sans rien faire. Toi, on t'accuse d'avoir volé les milliards et nous, on a vu les milliards dans ta maison. Mais voici les Gabonais qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui, qu'on refuse même de voir le dehors. Ils sont toujours emprisonnés. Cher petit frère Alianga, il faut pas fatiguer les gens ici. Tu veux appeler la France en tant que qui? Que la France peut faire quoi au Gabon à part nous voler? À part voler les Gabonais, qu'est-ce que la France peut faire au Gabon? Lorsqu'on a tué les Gabonais au QG de Jean Ping, dis-moi combien de centimètres ou combien de mètres, combien de kilomètres le QG et l'armée française et la distance vous séparent? Combien? C'est pas la même France là qui était là à regarder? Apparemment, le pilote était même français. Vous avez fait quoi? Quand tu appelles la France, pourquoi? Tu savais que j'étais français quand tu as décidé d'être premier ministre, ou bien, je dis même premier ministre, quand tu as décidé d'être vice-président, moi aussi avec mon idiotie, le bête était là. Ah, quand tu as décidé d'être cabinet de quelque chose, tu as décidé d'être dans le cabinet de Bongo là-bas, et ensuite tu es devenu ministre de placement. C'était en tant que français ou en tant que Gabonais quand tu as accepté ce poste? Hein? C'était en tant que Français ou en tant que Gabonais lorsque tu as accepté de devenir le chef de cabinet ou le ministre de déplacement, de développement ou de placement humain ou de bonheur humain. Voilà le bonheur là que nous sommes là comme ça là. Hein? Pour qu'aujourd'hui, toi et ton avocat, vous décidez de poursuivre le Gabon parce que toi, individu, petit individu, on t'a mis en prison. Tu as plus de valeur que les Gabonais ou autochtones. Ils sont noirs, mais ça. Premier cas, au suivant. Maintenant, je viens au cas de le petit Maboule là, ou le vieux Maboule là, le papa Maboule là. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Anissé. Le papa Maboule là qui est venu parler avec la tête, on dirait le masque de Bapounou là. Le visage un côté là. Le visage fendu d'un sens là. Le papa bizarre là. C'est lui maintenant, la deuxième partie, c'est pour lui. Maintenant, j'ai envie de parler ou poser la question à ce vieux croupillon de père-là. Ce vieux croupillon de père-là, je vais te poser la question aujourd'hui. Anissé,
ani se abele nlu ana nlu ana kabra ana kabra be farme di kabana wa di bo yo wa di bo bo tirwanga wa bala kote mbono wa kawa yemza abonzungwe bladi akri donc nous bo to koloko chide itan ona un mi di kote bo nya akri akala bo ya boya ye meta bo nve yong mena ye bo no nsam. Donc on lui a funa non lui kabra mura va non kabra na beva mana di ya me kabra ne ba tu kabra tena bon wa mako wa lui atar no madin lui donc on go beva non lui un bon me va mana di un côté bon bon va aller renier d'abord na wa ya me zafu na sima ya kala na beva no di bon un côté bori un kong bori kong bori beva no di bon un kong bori le ya yi ya bon na. Donc bonon dia itala bene la chichi fora ko chindu yana ba di ko di wane ngo ba di wane ba fura na nu yari na baba jam mu beta wo fora bene nyamuru ni nyamuru nga ko nyamuru zo uno ndia akalba mna wo di bonu wo ndu to fora be u abo bona nda nyamba me nyamba ya mu nya sibur bo kuma wo tra tanga yema kra ba muru ina beta yema ko senya kala na nyamuru akuba za bala mazumina wanda ngi murai mura le jamin na la bala min nang ba mara dile un sang mi ba bo fora na. Me claire nous mon vaille comme chungo ma o maneta ma comme chungo ma o maneta mena me va una manos man za amere sira bo direct ni na mesra bo direct mena mata nza ma mesra bo direct parce que quand on va bo dire ni ma yamale tamuni ma ta bo sorti wanga abonzon wa bleza mon wa bonzon wa bleza bon il y a bon na ngom ya bleza bon me yamale huit bobina parce que c'est nemi ne o bourbo gouvernement me yamale huit bobina dès la naissance na mon akip dira ona ho. Donc, il y a des gens qui ont des gens qui ont des mine mama ya ka bon imele e jong me va fogo go me zo va mana ko atar nga ko tar ma yimanza no ne uno kun uno ndimi uno ilia uno ndi ba mana wo di bo bo sra fo lu wa di bele za tamo lu voilà de ma nyawo de di ko vi modi da fo me va wo di zungu wo sina ma kuma za ta esmo ayo parce que os o kaya anda kaya ma bo nyana ndlem ma va sma fo ka alianga. Un peu. Mais par rapport à toi, Lianga, okay, y a dans mes rignes. Assez bon, n'a pas eu ma gabonne, ou y a son sang, ou y a fort, tu te mets un oh! Je vais accuser Internet. Je vais poursuivre. Ben, pour ça, va y a un cabo, spicose. M'interme à l'air de la spicose. Ou bien, il t'a mal dit, il y a un spicose, c'est un spicologie, il t'a là. Ou bien, on lui y a un spicose, il t'y est dérangé. Ou bien, on lui a dit, n'est-ce pas spicose? Moi, je suis cher peuple, vous qui ne comprenez pas le franc, pardon, excusez-moi. Quand je suis énervé parfois, même, je n'ai même plus envie de parler le français. Je n'ai même plus envie de parler le français. Donc, je disais ici, je disais à l'homme là que comme son cerveau est mangé, il a dans sa tête là, vous voyez, quand on mange un animal, si c'est pas le singe ou bien c'est l'antilope. Souvent, les gens qui aiment manger les têtes, moi j'aime manger les têtes de viande. Donc, quand tu as la tête de viande là-dedans, là, il y a la suspense qu'on appelle dedans. Nous, on appelle ça le bo. Ben, allez, bo, falanade. Et le cerveau, on appelle ça comment? La matière blanche là, qui est souvent dans la tête là. Lui là, sa matière qui est dans la tête là, elle a été mangée, donc il ne lui reste qu'une petite partie. C'est la petite partie qui lui reste là, qui vient, qui a fait en sorte que lui là, même pour réfléchir, il n'a pas réfléchi, il est venu parler et verser les anéries devant les gens concernant les enlèvements des enfants des gens. Il vient se mettre là dehors et il parle comme si c'était normal, comme si... Non, en fait, je ne sais pas qui veut convaincre, soit c'est l'international qui veut convaincre, soit c'est le Gabonais qui veut mettre à l'aise. Parce que nous là, je ne sais pas, la moelle, moelle épinière, que la tête, il n'a plus ça, bon, il est dérangé. C'est ça là, c'est pour lui. Voilà comme ça, Anissé dérangé, je vais parler enfant, excusez-moi cette fois-ci, je suis désolée, je vais parler vraiment enfant. Vous allez comprendre, de toute façon, le franc et le français, fang, vous voyez, il y a F de fang égale à français. Donc, le fang est proche du français. Si vous ne me comprenez pas, c'est que vous ne comprenez pas le français. Mais dans tous les cas, vous allez comprendre. Parce que le fang, c'est le français. Voilà. C'est le français. Donc, avant, bon, de temps en temps, je viendrai avec le mot. Hein.
L'homme là accuse les parents d'avoir pas fait, d'avoir jamais signalé les enlèvements. Soit nous vivons, comme j'avais dit à un compatriote dans une émission, soit nous vivons dans deux pays distincts. C'est-à-dire, eux, ils ont un pays gouvernemental qui s'appelle les Bongo. Et nous, on a un pays pauvrement pauvre qui s'appelle le Gabon lambda que nous sommes. C'est-à-dire, lorsqu'on a un problème, on utilise les outils qui nous sont présentés. On utilise les moyens de bord que nous avons devant nous. Ici, les parents, à chaque fois comme partout, lorsqu'il y a une disparition au Gabon, lorsqu'il y a quelque chose au Gabon, forcément, on passe par les réseaux sociaux et tout le monde sait que les réseaux sociaux ne sont plus à démontrer que c'est un outil efficace pour la communication et pour trouver, pour régler nombreux problèmes. Donc, pourquoi est-ce que nous, le Gabon, on va se passer de cet outil? Parce qu'il y a les mangeurs comme le Banissé, comme ça, qui ne savent pas ce que c'est l'ère d'Internet. Pour eux, là, on doit rester l'ère de Bongo avec leur communiqué d'avant. Vous voyez la radio d'avant qui faisait souvent vers midi là. Quand le communiqué va commencer. Donc, il veut encore qu'on reste à l'époque de et attendre le communiqué en plein midi, là, on attend que le garde là va passer, et puis toutes les langues fang, ils vont passer avec toutes les langues, le fang, le bapounou, le mien, et on finit. L'homme là voulait que, il voudrait qu'à l'ère où nous sommes au 21e ou 22e siècle, moi-même, je ne sais plus quel siècle on est là encore là, si on a déjà dépassé le 21e siècle, qu'on soit encore en arrière. Voici nos parents, nos chers compatriotes, lorsque Renadine, on le kidnappe, premier réflexe, il signale d'abord que notre enfant, on ne l'a pas encore vu depuis tête. Peut-être que le voisin à côté a vu. Le voisin est venu sur Internet, il a vu l'annonce. Tiens, oh, c'est le petit là qu'on cherche là. C'est comme ça, c'est à cause de ça qu'on voit, on dit les réseaux. Et le message va aller. Non seulement ils ont fait ça, les parents ont saisi la justice. Voilà un énergumène qui n'est de près ou de loin concerné parce qu'il sait très bien que ce sont eux les investigateurs. C'est comme ça on dit non. Ce sont eux les responsables. Ce sont eux les commanditaires de meurtre. Donc ils ont honte parce que l'affaire a pris feu. Parce que Renadine, c'est un écran. Renadine a fait bouger le pays. Renadine bouge le pays. Et on aimerait que l'enfant là soit retrouvé. Parce que Renadine a fait en sorte que ce soit l'enlèvement de trop. Renadine, c'est l'enfant enlevé de trop. Donc tout le monde en a parlé et tout le monde en parle. Voici comme ils ont honte. Ils ont peur. Ils ne savent pas comment régler cette histoire. C'est lui dans sa bêtise de lan. Dans sa bêtise de je ne sais pas quoi, il vient demander aux gens. Je mets en garde. Mon ami, tu mets qui en garde, mouf? Tu mets qui en garde? Je mets en garde toutes les personnes qui voudraient s'aimer la spicose. On va plus psychologique, on va spicose. C'est toi qui vas nous mettre, que nous les Gabonais, on va mettre l'aspicose. C'est pas vous qui mettez l'aspicose dans le pays des Gabonais. Des enlèvements pour maintenir vos postes. Toi-même, où tu es là, tu n'as pas passé un concours. Tu n'as rien fait. Tu dois même le plus idiot de la planète. Mais tu es quelqu'un qui a tenu comme porte-parole. Tu as tué combien de membres de ta famille ou tu as enlevé combien d'enfants pour avoir le poste que tu as là. Combien d'entre vous ont obtenu leur poste par leurs compétences? Combien d'entre vous ont obtenu leur statut par leur compétence, par leur intelligence? Rien! Vous passez tout votre temps à tuer le peuple gabonais et c'est toi qui viens dire qu'il n'y a pas une vague d'enlèvement. Bah, le chien! Bah, de me canne! Il n'y a plus une preuve d'enlèvement. Tu as fait quoi? Lorsqu'on a entendu qu'il y a des connards qui se jouent de souffrance de toute une famille, ils vont faire quoi? Oui, madame! On a votre enfant parce qu'on nous a envoyé de la battre. Vous n'avez pas mis les gens en place. C'est toi, c'est le 17 ou le 18 que toi tu viens ouvrir ce qui te sert de bec. C'est le 18 que toi tu as vu que non. Là, le cerveau qui te reste un côté là doit fonctionner, le deuxième côté là doit fonctionner. C'est là où toi tu sors le 18 pour venir raconter que là où nous sommes le 18, là les parents doivent saisir la justice. Quelle justice? Quelle justice de merde que vous voudrez qu'on... qu'on saisisse au Gabon. Quelle justice? Combien de personnes ont été arrêtées? Seulement le viol de la petite Wally,
Combien de parents sont venus avant que le bruit, l'affaire de Wally soit mise au clair, soit affichée dans les réseaux sociaux? Si les parents de Wally ou Wally n'avaient pas affiché son problème dans les réseaux sociaux, personne n'allait su que Alessine Douna, elle est le violeur, le puissant violeur du Gabon. Personne n'allait savoir ça ici-là que Alessine Douna, c'est le violeur numéro 1 du Gabon. Si Wally n'avait pas saisi Internet. Et combien de fois les parents, 8 familles, 8 putains de familles en détresse ont porté plainte. Vous avez fait quoi? Espèce de chien de pays là. Espèce de gouvernement de... Je vous insulte. Tu as dit que tu mets en garde toutes les personnes. Le gouvernement met en garde. J'emmerde le gouvernement. Tu as dit le gouvernement met en garde. Le gouvernement dit que j'emmerde au carré le gouvernement. Oui, je n'ai pas besoin de me cacher. Vous me connaissez dans 4 ans déjà. Est-ce que j'ai encore à me présenter? J'emmerde, je vous emmerde au carré. Oui, le même gouvernement qui tue nos enfants, je vous emmerde. Le même gouvernement qui arrête nos parents illégalement, je vous emmerde au carré. Il n'y a pas de gouvernement, vous n'êtes pas mon gouvernement. Je ne vous ai jamais reconnu, je ne vous ai jamais voté. Alors laissez-moi libre choix de parler de vos méfaits à qui je le veux. À l'international, je dénonce que le peuple, que le gouvernement gabonais tue sa nation pour maintenir le pouvoir. Il y a une vague d'enlèvement commis par Nourdine, organisée par Nourdine, par la vieille boche là, la vieille blanche qui a les fesses comme la momie là. Ah, elle s'appelle encore comment c'est là? Ah, qui est? Ah, ma tête là aussi. Sylvia, voilà, commanditée par Sylvia, par Nourdine, par tous les ministres. Voilà, vous faites une bande d'enlèvement, c'est un réseau. Réseau, chers compatriotes, faites attention, il y a une vague d'enlèvement, ils vont vous enlever, ils vont enlever vos enfants. Ne partez même plus dans les écoles seuls. Accompagne ton enfant à l'école et va le chercher à l'école. Il y a une vague d'enlèvement, des criminels sont de retour. Ils sont de retour. Le porte-parole à Nice, c'est un criminel, lui aussi il a tué, il a besoin du sang. Lui aussi il est complice, à Nice, je t'emmerde, j'en mets ton gouvernement. Claire Numan t'a dit ça. Je n'ai pas peur de vous. Je vous ai dit ici, je préfère encore mourir que mourir, que vivre esclave à dépendre de connards comme vous. Des connards qui puent le pays, qui sont incapables de défendre le pays. Toi, tu te lèves, tu viens dire comment les populations, les gens pour pouvoir qu'il y a quoi dans un pays normal. Il faut porter plainte. Vous avez fait quoi de la plainte de viol? Viol sur mineur. Alexine Dounanevi, il l'a. Wesh. J'ai dit ça, oh, j'ai dit ça. Voilà, j'ai dit ça là. Ouha! Bande de menteurs. Ha! Bande de menteurs. Un gamin de 3 ans. Tu viens parler de la vie d'un gamin de 3 ans comme si c'était quoi? Un gamin de 3 ans, tu viens parler de la vie d'un gamin comme si tu te... Ah, je ne sais pas quoi, mais... Les petits, à l'exception des petits renardins, à l'exception, les autres, vous les avez fait quoi? À l'exception, 3 ans, vous êtes incapables de mobiliser les gens. Vous avez vu à Paris, j'ai vu la publicité là aujourd'hui, j'ai vu une publicité sur RFI. Un jeune garçon de 21 ans est porté disparu. La police est mobilisée pour retrouver l'enfant. 21 ans, la police française est mobilisée. Vous au Gabon, c'est dans les réseaux sociaux que vous venez nous menacer. Bande de connards. Bande d'incapables. Gouvernement de merde. Gouvernement de tuerie. Gouvernement de criminalité. Tout ce que vous connaissez, c'est tuer, voler. C'est tout ce que vous savez faire, c'est tuer, voler et mentir. Lorsque vous voyez qu'on est en train de vous mettre face au monde, vous voulez mentir. Les seules choses qui sortent de vos bouches, c'est le mensonge et le vol. Bande de criminels, bande des incompétents. Vous n'avez pas honte de tuer vos peuples, de tuer votre nation pour garder le pouvoir. Avez-vous entendu que Macron a tué combien de Français pour devenir président? Il n'y a qu'en Afrique. Il m'a bâminé, il m'a cané, il m'a roussonné. Abon, vibi, il y a un manana, il y a un yuba gabonais. Il y a un manana, il y a un yuba gabonais, abon. Manamon, il y a un criminel. Ming vu milal. Adzimiya. Yanya sorti comme va. Yam mura. Nous à notre zor. On nous à notre zor. Wan ya zin la mina levana. Mais, il n'y a pas d'enlèvement au Gabon. Il n'y a que des scroqueries. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a
que du vol. Il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a que des menteurs. Il n'y a que des détourneurs, des incapables, des feignants, des vauriens. Gouvernement de voleurs. J'emmerde le gouvernement. Parce qu'il n'est pas mon gouvernement, je ne vous reconnais pas. Je ne vous ai jamais volé et voté. Je ne vous ai jamais voté, alors je ne vous reconnais pas. Donc vous n'êtes pas mon gouvernement, tu veux assommer qui ici? Tu peux assommer quelqu'un qui n'est pas de ton camp. Tu veux m'assommer pourquoi? J'assomme, j'interdis. Tu interdis qui? Avec quel pouvoir? C'est toi qui as créé Facebook. Regarde-moi quelqu'un qui a déjà la tête d'un côté, la tête bouffée. De la même manière qu'on t'a mis là, demain vont t'enlever. Avec ta tête qui regarde en enfer là. Tu vas venir interdire qui ici sur internet? Tu ne sais pas qu'ici c'est notre royaume? Ça c'est notre royaume, c'est notre territoire, c'est notre gouvernement. Tu peux nous faire quoi dans Facebook? Tu peux contrôler ma connexion? Même quand tu me coupes, je crée un faux compte, je fais les lives dans le faux compte. Même si tu coupes le faux compte là, je m'en vais prendre le profil d'une amie française, je fais le live là-bas et je le partage dans le monde entier. Tu peux faire quoi avec internet? Tu penses qu'il n'y a que Facebook comme réseau social? Ah, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup? Et quand moi notre énergumène là-bas, tu viens menacer les gens alors que vous tuez les Gabonais? Trouvez-nous l'enfant! Trouvez-nous l'enfant, ramenez-nous l'enfant que vous avez pris. Ramenez-le. Vous n'avez pas dit que vous êtes compétent. Un pays de 1 million, vous êtes incapable de trouver un enfant de 3 ans. Bande de sorciers. La tête comme le pu. La tête comme le pu. Le pu. Le pu, le pu, le pu. Voilà, bam, nous on me canne, bam. Oui, il y a dit comme Abib Gabonais, va. Quand les résistants sont en train de faire quelque chose, nous assommons toutes les personnes qui aimeraient. Ah, bon, le français de Molière là aussi, hein. Qui s'aimait la spicose. Oh, coco s'aimait la spicose. C'est nous qui allons s'aimer des spicoses. Vous enlevez les gens, les enfants des gens, et c'est nous qui allons s'aimer des spicoses. Vous voyez les choses du Gabon? Vous vous tuez, et c'est nous qui parlons, qui allons s'aimer les spicoses. Notre spicologie, notre spicose. Donc, toi, les parents ont déjà peur que leurs enfants soient arrêtés. Ça, là, c'est pas la psychose. Ils sont déjà dans la psychologie depuis longtemps que vous arrêtez, vous volez leurs enfants. Ah, au contraire, nous, ce que nous, on leur donne, là, c'est du courage. Donc, notre courage, vous voulez dire que notre courage s'est transformé en psychose. En psychose. Nous, on s'est transformé en psychose. Et voilà, bam, nous, on demande quand dans ta psychologie, dans ta psychose, toi-même. Psychose, c'est quoi psychose? Hein? Aïe! Vous voyez les choses de ce pays? Comment on peut comprendre que dans un pays, voilà pourquoi Aliang a obligé de saisir la France, de venir faire la loi pour lui? Parce qu'il sait très bien qu'il est foutu. Aliang a obligé de saisir la France, que pardon, la France, oh, je sais que je suis Gabonais, mais là, c'est pas un pays de loi. Vraiment, vraiment, je sais que je suis Gabonais, mais je préfère encore que la France me juge. Voilà pourquoi Aliang a été appelé SOS la France, parce qu'il sait que il est perdu d'avance, il est mort d'avance. Avec les incapables comme ça, avec les têtes, la tête qui ressemble à un pu. Un pu, je ne sais pas quoi. Hein? N'importe quoi. Reviens encore ici nous menacer, je vais t'insulter every day. Je vais mal te parler every day, je ne ferme pas ma bouche. Tu nous as assommé là, voilà, ils sont en train de parler. Arrête mon Facebook. Je vais te parler quand je veux, quand j'ai le temps, quand j'ai la force, quand j'ai la vie. Je te parle, je vous parle mal. Je vous tue mal. Avec ta spicose, on va spicose. C'est spicose ou spicose. Je sais qui dit quoi là-bas. C'est nous qui allons semer spicose dans les têtes des Gabonais. Oh, Gabono. Donc tu veux que nous, comme ça, on va sortir quoi? Comme ça, je vais me lever. Oui, Gabonais, Gabonais. On s'est trompé. Il y a la ah, fort vœu. Vous tuez aujourd'hui, vous tuez demain, et c'est nous qui va. C'est nous les spicose. C'est nous les semeurs de spicose, non spicose. Je ne sais même pas où tu allais ramasser le mot là pour venir nous balancer ça ici, spicose. Hein? Vous tuez demain, vous tuez après demain, vous tuez à l'infini et c'est nous qui semons les spicose. Explique-moi un peu l'affaire de ton accent là. Moi-même, je ne sais pas. C'est ça le problème. Je suis la seule à parler comme ça dans ma famille. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'affaire de l'accent. Faut laisser ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis gabonaise, j'ai fait les tests, j'ai fait mes tests, m'ont dit que je viens du Cameroun, je viens de Subantou, faut laisser. En tout cas, c'est naturel, je ne sais pas où mon accent là vient. Ça vient là où ça vient, mon ami, chacun a son accent. C'est mon identité, c'est ma marque de fabrique, je ne sais pas comment je vais te répondre dedans. Bien. En tout cas, je suis en train de partir. Faut me spicose. Faut
pauvre Spikos, il a dit, oh non, est-ce que je peux retrouver ça? J'ai d'abord partagé ça, non. Comme j'étais énervé, j'ai enlevé. Je dis que je ne partage pas, il m'a tellement énervé. J'ai d'abord partagé ça, hein. Je l'ai même insulté dans le partage. Après, j'ai enlevé. Je retrouve la vidéo, si vous me permettez. Qui a partagé même cela? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a partagé ça comme ça? Je pars dans son profil. Je vais regarder chez Minkolo parce que lui, il a la fuite de l'information. Je vais regarder chez Minkolo. Peut-être qu'il a partagé la vidéo. Lui, il a la fuite de l'information souvent. Alors, il est où? Je vais vous faire écouter celui qui nous dit que nous on sème la spicose. Lui, c'est normal. On vole les enfants des gens. Et c'est bien comme ça, tu vois, non? Les enfants qui sont kidnappés, qui sont volés, on doit se taire. On ne doit pas parler. Donc aujourd'hui, si on kidnappe ton enfant, on ne dit rien. Tu pleures dans le silence. Tu jouis dans le silence ou tu meurs dans le silence. Tu ne te plains pas. Parce que si tu te plains, sinon tu vas semer la spicose à qui, bon, je ne le sais pas. Donc je suis en train de chercher. Et Mikolo, c'est pas possible que lui ne partage pas ça. C'est quand même mon parent, lui partage tout. Quand je suis à l'affût des informations, c'est chez mon parent Mikolo, je vais aller les regarder. Parce que je ne vois. Mon petit là aussi. Je ne vois pas au. Aïe 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 aïe. Non, il n'y a pas. Il n'a pas partagé ça. Oh là là, Qui a partagé ça, s'il vous plaît? Qui a partagé ça au. Je pars dans son deuxième profil. Qui a partagé ça? Il n'y en a pas. Bref, je voulais vous faire écouter ça. Je ne trouve pas. Quelqu'un peut m'envoyer ça, non? J'ai entendu poum poum. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Moi, je ne suis pas organisée. De toute façon, je ne voulais pas faire la vidéo. Je ne voulais pas montrer sa vidéo. Sinon, j'allais préparer ça comme j'ai mis à côté l'audio de l'autre là. La cruche. Voilà. Voilà, quelqu'un. Prévient ce collectif des leaders de la société. Non, c'est pas ça, ma chérie. C'est pas ça, je veux. C'est pas ça, c'est l'autre. C'est Nourdine avec. Venez, Nourdine. Bon, bref. Je voulais la vidéo de. Celui qui a la tête bouffée là. C'est pas grave. Oh là là. J'aurais pu garder ça moi-même. Même. Personne n'a ça. Personne n'a la vidéo là. Hein? J'ai dit, hein? Gypsy, tu m'envoies souvent toutes les vidéos. Celle-là, tu ne me l'avais pas envoyée. Pour une fois, tu ne m'as pas envoyé ça. Gypsy, tu ne me l'as pas envoyée. Mes envoyeurs des informations, là, vous avez disparu, hein? Ils sont où même? Je suis en train de regarder toutes les personnes qui m'envoient souvent les vidéos. Là, je ne trouve pas la vidéo, là. Ah, qui est... Qui me l'a envoyé au Aka? Il faut bien que je vous montre la pub, non? Ah, qui me l'a envoyé en plus? Ah là là, bon, bref, c'est pas grave. Ça, c'est les choses de la vie maintenant. Qui? Fais les recherches sur Facebook. Je suis en train de chercher. En fait, j'étais chez Mikolo parce que je sais que lui, il partage tout. Il partage tout. Moi, j'avais d'abord partagé ça. Ou bien, je peux aller regarder chez qui? Attends, je regarde chez Messire. Je regarde chez Messire. Parce que Messire aussi, il a souvent ça. Et enfin, il, avant de faire un truc. Hein? Messire, il n'y a rien. Il n'a pas partagé. Messire, il n'y a pas ça. Il me reste qui encore? Info Kingele. Vous là, vous voulez dire que personne d'entre vous là, les 130 là, vous n'avez pas la vidéo là, vous n'avez pas vu la vidéo là. Oh. Les 130 là, personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça, hein. Je vais avancer comment, puisque c'est la vidéo qui reste pour faire, il me reste vous montrer la vidéo. C'est la vidéo qui reste, non? S'il n'y a pas la vidéo, je vais avancer comment? Pourquoi j'ai mes publications sur Info Kingle? C'est la vidéo qui manque? Bon, bref. Tu as raison. Tape le nom, le ministre Anissé. C'est la vidéo qui manque pour écouter. Là, la force est partie. Donc, quand je vais écouter la vidéo, là, ça va me donner encore la force. Ça va encore m'énerver. Là, je ne vois pas.
C'est ça qui est bizarre avec Facebook, ou bien comme je suis sur le téléphone, regarde sur mon profil. Voilà, c'est ça que j'ai dit, non, parce que toi, c'est toi qui m'envoies souvent les vidéos, Gypsy, il y a un mode de... Moi aussi, la nuit, tu en as, envoie-moi ça directement, non. Bon, on va arrêter, c'est pas grave. Je n'ai pas trouvé la vidéo chez Gypsy, c'est pas grave. Donc, je vais quand même venir parler, c'est pas grave, je vais finir. Ça vient encore de m'énerver là, voilà. Bon, voilà, on va continuer avec ça. Je n'ai pas pu trouver la vidéo, c'est ça le problème avec quand on ne peut pas faire la vidéo en avance. Même dans ton truc, je n'ai pas pu trouver ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop mis du temps. Je ne sais pas combien de minutes j'ai mis là et c'est pas normal. Je voulais tout simplement venir finir sur cette petite remarque de monsieur Anissé, bouche tordue ou bien visage mangé ou bien visage en danger, parce que voilà. Et je voulais terminer sur ça que le peuple gabonais ne va pas vous laisser sur cette affaire. Vous avez enlevé un enfant de 3 ans. Vous avez l'obligation de ramener cet enfant, de nous rendre cet enfant vivant. Et si cet enfant n'est plus en vie, vous avez l'obligation de poursuivre l'enquête auprès des ravisseurs et des condamnés qui le bon. Ici, vous jouez souvent aux menaces à chaque fois. Vous menacez les activistes, vous menacez le peuple, vous menacez même vos sujets pour X, Y raisons. En fait, au Gabon, il n'y a que le gouvernement qui doit avoir raison. Il n'y a que le gouvernement qui prétend avoir la solution de son côté, malgré que cette solution soit mensongère. Il n'y a que le gouvernement qui doit faire tout ce qui lui plaît, parce que tout simplement, vous avez le rapport de force, vous avez les armes, vous avez l'armée, vous avez la police, et vous avez même les hommes de main venus du Cameroun. Voilà, vous avez même les hommes de main venus du Cameroun qui viennent maintenant kidnapper et enlever les Gabonais dans leur propre pays, parce que tout simplement, on a eu la malchance de se faire gouverner par des idiots, on a eu la malchance de se faire gouverner par des tonneaux vides, on a eu la malchance de se faire gouverner par des gens sans principe, sans valeur, les gens qui ne connaissent pas le sens de patrie, les gens qui ne connaissent pas le sens de vivre ensemble de la nation, qui n'ont même pas une idée de ce que c'est construire la nation. Pour eux, construire la nation, c'est détruire cette même nation. On a eu la malchance de tomber sur vous. Nous avons eu la malchance d'élever, de grandir, ou bien certains d'entre vous, d'avoir des hommes d'État comme vous, des minables. Et mon cri de cœur va toujours se tourner vers le peuple gabonais. Ce même peuple gabonais qui aujourd'hui te donne le pouvoir de le tuer. Et demain, il va encore te donner le pouvoir de demander pardon. Nous, le peuple gabonais, voilà pourquoi quand vous me voyez ici, je viens commencer à dire que oh, le peuple gabonais, on est des moutons. Vous me dites que oh, je parle mal au gabonais. Je dis qu'on est des moutons. On est des moutons parce que nous tolérons. Plus nous tolérons, plus ils vont continuer à faire ça. Je n'ai jamais vu ici à l'étranger qu'on perd un enfant de 3 ans. C'est le porte-parole du gouvernement qui va venir faire de conneries au lieu de compatir à la douleur de la nation, au lieu d'empathier à la douleur de la nation, au lieu de se joindre à la douleur de la nation. Eux, ils font des menaces. Comme si c'était normal. Ils font des menaces. Comme si c'était normal. Non. En fait, c'est monde en envers. C'est normal. Mourez, vous n'avez pas le droit de parler, sinon vous êtes mort. Il en aujourd'hui, je vous parle mal. Je continuerai à vous parler mal. Oh, je suis Tata Dérangée, alias Bouche Perchée. Ce qui sort de ma bouche là, je ne contrôle pas. Parce qu'avant de sortir, je ne sais pas ce qui va sortir. Donc ça sort comme ça sort. Donc, je vous traite ici, là, vous êtes des bandes de capables. Vous êtes des criminels. Anissé ou nos criminels. Ali Bongo, mort vivant, criminel. Sylvia ou nos criminels. Nourdine, toi-même, là, tu as encore puceau. Tu as encore ton petit poids. Papa qui ne ressemble à rien. Là, tu veux déjà mettre le sang de Gabonais dans tes mains. Toi-même, tu es un petit criminel à la noix. Espèce de petit connard à la con. Nourdine, espèce de petit connard de merde. Tu viens tuer les Gabonais. Devant toi, là, tu viens tuer les Gabonais. C'est comme ça que tu veux gérer ce pays avec le sang. Je viens d'avoir une notification là. Quelqu'un a envoyé quelque chose. Tu veux tuer ce pays avec le sang? Ah, voilà. Ouais, quand je dis, il y a toujours quelqu'un pour envoyer, non? On va écouter. Voilà, là, quelqu'un, il ressemble à un morpion. Quelques jours,
des messages, des regardez la tête sur une supposée vague de disparition d'enfants inondent les réseaux sociaux et sont repris par certains médias en ligne sans vérification aucune. Je vais faire ça à mesure. Il y a 3 minutes. Il dit sans vérification aucune. Voilà. Grenadine a disparu sans vérification. Les parents ont inventé la disparition de Grenadine. Donc, c'est ça, non? Sans vérification. Donc, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, ne connaissons pas ce qui se passe dehors. On nous prévient, on partage comme tout le monde. Mon téléphone était maintenant bloqué. Ah, vous voulez montrer votre super puissant. Il n'y a pas de souci, j'ai tout dit. Je vous ai insulté. Donc, monsieur si qui a le cerveau bouffé là, bon, et un dernier, Abarduna, sans aucune vérification possible, on se met à divulguer une information. Donc, ça veut dire que les parents de Grenadine, autant pour moi, ont menti et ont inventé la disparition de leur enfant en partageant l'information dans les réseaux sociaux et que nous, on a repris cette information comme d'habitude pour faire savoir au monde entier que tel enfant a été porté disparu au Gabon ou bien à qui voudrait, qui peut le voir, qui a vu, qui a saisi, enfin, tout cela, veuillez contacter. Donc, ce monsieur se lève et dit tout simplement, voilà, d'ici, par là, je ne sais pas, ici et là, par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux, l'information d'enlèvement circule sans vérification. Voilà, monsieur là, Ibola Bamno de Mekan, donc tu penses que c'est nous comme ça, nous sommes assis là, nous avons deviné qu'il y a un enfant qui est porté disparu. D'abord, pourquoi on va te donner l'explication, bande de tocards que vous êtes là-bas? Pour effet d'alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population. Dans certains cas, il repose sur des faits avérés, et notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngwa Rinaldi, âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village Ebeaba, à moins de 10 km de Bitam. Malgré le fait que ses parents n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam que ce lundi 20 janvier 2020... Voilà le gros mensonge. Comment une grande personne peut aussi mentir facilement comme ça? Comment une grande personnalité, vous voyez? Comment quelqu'un de sensé peut mentir comme ça? Que le papa, la maman, eux, ils ont saisi la justice que le 20 soit 9 jours après la disparition de l'enfant. Voici le mensonge. L'enfant a disparu le 12, le 13, les pauvres gens sont allés à la police. Voici les incompétents qui ne connaissent pas les choses du bas quartier. Voici les minables qui ne savent pas ce qui se passe dans le bas peuple. Ils se lèvent pour venir parler au nom du peuple, alors qu'il n'est pas le peuple, alors qu'il ne sait pas ce que le peuple fait. Voici, il vient parler là, comme si on l'a communiqué, comme s'il a l'information. On dirait que quelqu'un l'a parlé. Il vient parler. Un grand-père comme ça, il vient mentir. Il vient mentir, n'a même pas honte. Voici les choses. Et puis celui qui demande aux gens de se taire. Mais c'est toi qui dois se taire. De nous à toi là, c'est toi qui dois se taire parce que c'est toi qui es en train de mettre une psychologique dans la tête des Gabonais. Vous voyez? C'est ça le gouvernement gabonais. Bale veminal. Ou comme vous lui, ou son ou vous, à quand on va lui, ou va vous, oui, à quand on a, ou va vous, accident. Ou comme on con, ou aussi qu'on con, oui, à quand on a, ou va vous empoisonner, ou va qu'on con, oui, à quand on va vous, accident. Bon, vous venez, mais c'est la responsable, jamais, Bato,
procureur de la République près le tribunal de première instance judiciaire de Yem a ouvert une enquête. Quelle enquête? Après combien de jours? Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver le garçonnet. Qu'est-ce qu'ils appellent par mobiliser, s'il vous plaît? La famille de Rinaline, pardon mes parents. Mes chers compatriotes, vous avez vu les gens la mobiliser auprès de vous là-bas? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent mobiliser? Mobiliser dans leur bureau? Ils se mobilisent en faisant quoi? Ils ont commencé à chercher où c'est quoi la mobilisation de la police et le procureur d'Oyem, le procureur gabonais ou je ne sais pas quoi. C'est quoi leur titre de mobilisation? C'est étant assis. Ici, quand on dit mobilisation, les gens sont dehors. Ils ne se mobilisent pas derrière les ordinateurs avec les têtes pendues pour venir prendre un discours mensongère du début jusqu'à la fin, de la première lettre majuscule au dernier point. Tout est mensonge. Ils se mobilisent comment? Il faut expliquer. La police nationale et machin se mobilisent parce qu'ils vont mettre en place. Il faut dire comment, quelle est la stratégie ou bien quelles sont les actions que vous mettez en place pour cette mobilisation. Ou bien une équipe de 10 personnes va se rendre au Cameroun pour enquêter, puisque les ravisseurs disent venir du Cameroun, une équipe de machin. Toi, tu vas être mobilisé. Ils ont fait quoi pour mobilisation? Binemou, aujourd'hui, là, voici, si on compte bien, du 12 au... Nous sommes le 23 aujourd'hui, non? Du 12 au 23, mes amis, ça fait 10 jours que l'enfant est porté disparu. 10 jours que Rinaline a été enlevée à ses parents. 10 bonjours. Si on compte un par un, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22. Aujourd'hui, nous sommes le 22, non? Ou le 23. Donc, 12 jours. Un gamin, un enfant de 3 ans, kidnappé, volé, enlevé, séquestré pendant 10 jours. À moins qu'on soit tous devenus les spicoses. La spicose, la spicose. Cet enfant a été enlevé pour des crimes rituels. Cet enfant a été enlevé pour des crimes rituels. On vous demande tout simplement de ramener ou bien de chercher, que ce soit en bien ou en mal, peu importe la nouvelle qui viendra de là-bas. Il faut dire là où est l'enfant. Toi, tu te lèves pour venir raconter vos conneries dans Internet ici. Contrairement à ce que l'on appelle ça et là. Ça et là. Okay. Le gouvernement tient à rappeler que toute personne qui a connaissance d'un fait lié à la disparition d'un individu, a fortiori d'un enfant, a l'obligation de le signaler aux autorités compétentes. La démarche... Ils sont compétentes, hein? Toute personne à la connaissance de la disparition d'un enfant a priori, a potori, a posorori, je ne sais plus quoi là, hein, a l'obligation de signaler aux autorités compétentes. Hey, des chiens là sont devenus compétents. Les chiens de gouvernement là, ils sont devenus compétents. Des policiers voleurs, des buveurs là sont devenus compétents. Des soulards, des Gabonais sont devenus compétents. Où on te braque même à la gare, on tient devant un policier, il passe sa route. Ils sont devenus compétents aujourd'hui parce que les gens là savent très bien qu'ils sont des criminels. Je vais m'arrêter. Je vais tout simplement m'arrêter parce que là, mes amis, si, comme je n'arrête pas de vous dire ici là, si nous le peuple, on n'impose pas le respect à ces connards de chiens de gouvernement, nous aussi le peuple, on va dire... Le peuple entier assomme le gouvernement que si Rinaline n'est pas ramenée d'ici 24 heures, nous allons rentrer dans une guerre sans fin. Nous allons rentrer dans une manifestation non limite. Nous allons rendre le pays ingouvernable. Le peuple se doit de dire ainsi. C'est un enfant de trop. C'est un enfant de voler de trop. C'est un enfant de kidnapper de trop. On dit de parler d'enfants, on y a le gouvernement met en garde. Tu mets en garde qui, sale chien? Tu mets en garde qui, sale criminel? Vous mettez qui en garde ici? C'est vous qui tuez les gens et vous mettez les gens en garde. Que qui a peur de vous ici? Quelqu'un a peur de vous? Mais si on avait peur de vous, là, les gens n'allaient plus parler. Il n'y aurait plus de résistants au Gabon. Vous n'avez pas vu que personne n'a peur de vous? Nous, on n'a pas peur de vous, hein? Mon ami,
Personne n'a peur de vous ici dehors. C'est vous qui avez peur de nous. Donc vous êtes obligé de faire des menaces à la con. Des menaces qui n'arrivent même pas à prendre. N'importe quoi. Les menaces qui n'arrivent même pas à prendre le vol Air France. Vos menaces s'arrêtent. Dès que tu finis de faire là, tes menaces s'arrêtent seulement dans ton bout de papier. Dès que tu termines de menacer, le gouvernement interdit. Et le gouvernement assomme les dire l'internet. Tes menaces s'arrêtent là. Tes menaces ne franchissent pas la limite, n'arrivent nulle part. Vous n'avez aucun pouvoir dans les réseaux sociaux. Vous n'avez aucun pouvoir mondial. Des bâtards. Des voleurs. Qui vous a dit que pour construire un pays, il faut détruire ce même pays? Qui vous a dit que pour construire une nation forte, avec des hommes et des femmes vaillants, il faut aussi détruire ces mêmes personnes? Je parle, tu me menaces. Je parle à l'école, tu tues mon enfant. Qui vous a dit ça? Vous êtes l'alpha et l'oméga dans ces pays. Le gouvernement gabonais est l'alpha et l'oméga. Avec le petit Nourodine Puceau qui est lui aussi, il devient avec criminel là-bas. De Sassou Nguesso qui est venu lui donner aussi le pouvoir de criminel. Il a mené ça aussi. Hein? On doit tuer les enfants gabonais et puis c'est nous que tu viens appeler ici Spikos. C'est nous maintenant les Spikos. Toi, tu es qui? Je vais vous laisser, mes chers compatriotes. Je vais vous laisser, pardon. Je vais terminer mes trucs. J'ai dormi aujourd'hui à 5h du matin, pas de sommeil. Je dois terminer ma rédaction. Allez, connard comme ça, quand tu n'as pas envie de regarder Internet, tu vois, il y a toujours un énergumène qui sort de ce gouvernement avec des conneries à la noix. Visant à lancer l'alerte sur les réseaux sociaux, citant que les faits soient avérés, est certes louable, mais ne constitue pas une saisine officielle. De plus, elle ne doit pas être un prétexte à l'extrapolation et à la diffusion de fausses informations. Aussi, le gouvernement appelle à la retenue tous ceux qui véhiculent ces fausses nouvelles. Regarde, je ne me retiens pas. Je ne me retiens pas, je vais même faire la diarrhée vomissement. Je ne veux pas me retenir. Regarde, moi quand j'ai quelque chose à la bouche, vous l'avez si bien remarqué. Mon ami, je ne vais pas me retenir. J'ai dit, peuple gabonais, il y a une vague d'enlèvement au Gabon. Ah, qu'est-ce qui me pique dans les yeux? Il y a une vague d'enlèvement au Gabon. Peuple gabonais, faites attention, les crimes rituels sont de retour. Voilà, moi je ne veux pas avoir la retenue, je vais même exagérer. Peuple gabonais, même ton voisin est criminel, même ton mari est criminel, tout le monde est criminel, ton frère est criminel. Le peuple, le gouvernement gabonais achète les membres de vos familles pour vous tuer. Il y a une vague d'enlèvement au Gabon, ne faites plus confiance à qui que ce soit. Toi-même, la maman, tu amènes ton enfant à l'école et tu vas lui récupérer. Même si tu arrives en retard au travail, tu dis tout simplement au patron, il y a des enlèvements et je ne veux pas qu'on enlève mon enfant. Voilà, moi je vais exagérer. Je vais voir ce que tu vas me faire, monsieur tête pendue, monsieur tête de queue. Je vais voir ce que tu vas me faire ici là. Il y a une vague d'enlèvement. Et je signale, il y a une fois j'ai dit que je ne sais pas comment faire, hein. Comment je peux même faire pour signaler. S'il peut même grimper sur l'antenne mondiale là, me poser sur l'antenne mondiale, je vais crier sur l'antenne mondiale là, satellite. Je vais monter sur le satellite comme ça. Je ne vais pas m'arrêter. Il y a des crimes rituels au Gabon. La jeunesse gabonaise est tuée tous les jours. Un enfant est tué au Gabon. Tous les jours, un enfant est enlevé au Gabon. Tous les jours, chaque enfant est tué. Donc, le gouvernement gabonais ne sait faire que tuer son peuple. Donc, moi, je vais parler. Tu as dit que j'appelle à la retenue. Je ne me retiens pas. Moi, je ne veux pas me retenir. Je vais chercher comment monter à la satellite. Je vais monter au satellite là-bas pour aller crier là-bas. Pour que même le chinois écoute ma voix. Même le chinois écoute. Même le pygmé qui est fin fond de ma coucou là-bas. Non, écoute qu'il y a des enlèvements au Gabon. Oui, que les 100 combien pays mondiaux là. Écoute que le Gabon, pour devenir un homme d'État, il doit tuer son peuple. Sale chien. Je ne me retiens pas. Je n'ai pas de retenue. D'abord, je ne sais pas me retenir. Je ne sais pas me retenir et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de rétention. Il n'y a pas de rétention de parole. Il n'y a pas de rétention de nouvelles. Lorsqu'il y a une nouvelle, lorsqu'il y a un fait divers, on ne fait pas de rétention d'informations. Pourquoi tu veux que je retienne quelque chose qui tue le peuple? Tu veux que je garde ça pourquoi?
J'appelle à la rétention d'informations, de malformations. Malformation toi-même. Ton visage qui est malformé, là, tu n'as pas vu ça. Malformation, malformation d'informations, de spicose. Ah bah, ma bambou, de me calme. Je suis parti. Je vais manger mes arachides là. Oh, les salauds comme ça. J'appelle à la retenue d'informations. J'appelle à la retenue que toute personne. Le gouvernement met en garde que toute personne. À la retenue. Je ne me retiens pas. Je ne me retiendrai jamais lorsqu'il s'agit de dénoncer ce putain de gouvernement à la con. Voilà. De toute façon, je suis déjà cabri mort chez vous. Pourquoi je vais m'arrêter? Vaut mieux mourir une bonne fois, non? Je ne me retiendrai jamais. Il n'y a pas de rétention de parole avec moi. Il n'y a pas de rétention. Je ne me retiens pas. Je parle comme je parle. Ça sort comme ça sort. Poum, 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 poum. Tu as écouté. Va porter plainte si tu peux. Alianga, vous portez plainte là-bas. Vous n'êtes pas garçon. Voici Alianga qui vous porte plainte à la France là-bas. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon. Alianga vous fuit. Il vous poursuit en France. Bande de tocards. Espèce de chien. So, I'm finished now. I'm going faire mes affaires. Donc voilà, on va finir avec notre musique de boutique. Et puis je vais vous dire à bientôt, à tout moment. À tout moment, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci d'avoir partagé ce petit live de recadrement. Cher gouvernement, de gouvernement à vous qui êtes membre du gouvernement, sachez que vous n'êtes pas mon gouvernement, donc je ne suis pas obligée de vous respecter. Voilà, vous n'êtes pas mon gouvernement et je ne vous respecte pas. Je ne vous ai pas voté, je ne vous reconnais pas, donc je n'ai aucune obligation de rétention de parole lorsque j'ai envie de parler de mon pays. En conséquence ou en occurrence, je vous emmerde. Voilà, là au moins on est d'accord. Là on est clair, hein? Je vous emmerde, moi, Claire Newman, maréchal des opprimés, tata dérangée, alias bouche percée, emmerde le gouvernement gabonais criminel. Est-ce que là on est d'accord? Voici une raison pour envoyer un mandat d'arrêt international à Claire Newman. Je vous emmerde, parce que je ne vous reconnais pas, vous n'êtes pas mon gouvernement, vous n'avez jamais été là pour le peuple gabonais et vous ne serez jamais là pour les intérêts du Gabon. Plus que vous êtes là pour vos intérêts, alors je vous emmerde. Royalement, je vous emmerde. Oui, je n'ai pas besoin de prendre les pincettes, je n'ai pas besoin de vous parler autrement parce que je ne fais pas de la politique. Et même le jour que Dieu se sait par quel miracle, je ferai la politique, je vais toujours vous emmerder. Et je vous parlerai toujours sauvagement. Et je vous parlerai toujours comme je le parle, avec sauvagerie. C'est-à-dire, j'emmerde, j'insulte, élan, imbécile, comme je veux, quand bon me semble. Et puis c'est tout. Si tu ne veux pas, tu cales en l'air. On écoute la musique et puis voilà, bonne soirée à tous. Portez-vous bien, que le Dieu Tout-Puissant, que les dieux de nos terres, les dieux de nos savanes, les dieux de nos collines, de nos rivières protègent le Gabon. Donne la force au peuple gabonais. Donne le courage au peuple gabonais qu'ils arrêtent de dormir, qu'ils essayent un peu, que le peuple essaye un peu de prendre son avenir en main. Voilà. Bembe makumayo, nana gomi yenga dambika, bembe. Bembe makumayo, nana gomi yenga dambika. Bembe makumayo, nana gomi yenga dambika, bembe. Bembe ye ye, ayino dambika, bembe. Bembe makumayo, nana gomi yenga dambika, bembe. Voilà, et bando, thank you tout le monde, et puis on se dit à tout moment. Je vous souhaite du courage. Je souhaite du courage aux parents de notre enfant Rinadine. Je souhaite au peuple gabonais de se joindre aux parents de disparus et de faire une bonne action manifestante dans notre pays. Voilà. Ayons un état d'esprit des personnes qui sont contre un pouvoir et non des personnes qui doivent avoir tout en peur de ce pouvoir parce que tout simplement, ils continueront à nous maltraiter si on ne se rebelle pas. Si on ne se lève pas, si on ne dit pas stop,
ils auront toujours un mot de fin sur nos vies. C'était Claire Newman, Tata Dérangée, la fille du Nord, la fille du Sud et de l'Est du Gabon, et avant tout, maréchal du premier, maréchal des opprimés, bouche percée, enfant du Gabon. Je vous dis bonne soirée, bisous à tous, je vous adore et vive le Gabon, vive la nation et que vive la jeunesse gabonaise. Amen. Merci.